4 sorties singles de la semaine à ne surtout pas rater. On démarre donc avec Enya qui nous a envoyé une nouvelle dinguerie. Vous le savez, Enya, je le kiffe. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Il est très très chaud, très très fort et beaucoup trop sous-coté. Il vient donc sortir un nouveau titre en featuring avec Hashim. Ça s'appelle Tous les jours. Voilà, c'est la fusion marseillaise. Ça envoie du très très lourd. Bref, dans la tête, un sourire qui a pas de sens. Un couteau dans le dos par un frère. Un couteau dans le dos par la... Théodore aussi qui est de retour en featuring avec Esteban, ça s'appelle 2012 Balotelli et c'est du sale sur une prod de dinguerie, produit par un gars qui s'appelle Dinguerie. Mon coche plein toute la journée, on parle dans ma cité, yeah. Comme ça qu'on dit hello. On a aussi Bramsito featuring RK, ça s'appelle CV, c'est un petit son love à leur manière. C'est très très lourd, c'est issu du dernier projet d'ailleurs de Bramsito qui vient tout juste de sortir. Il s'appelle Enchanté avec 15 titres. En featuring, on retrouve aussi un son très très lourd avec Joker. Et puis pour terminer, c'est sorti de la semaine, on a une dinguerie. Alors ça c'est la pépite du moment, la pépite franchement à aller écouter. Je veux pas trop vous en dire, franchement, parce que c'est vraiment, faut que vous y allez, faut que vous jetiez votre petite oreille pour vous faire votre propre avis. C'est Ness, N-E-S, qui a sorti cette semaine Le Sourire d'une Tombe avec un très beau visuel sur une prod de Lil Chick. Allez checker, je vous en prie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Tyler, ciao. Un alien, juste parce qu'on vit devant un micro. Je capte pas, ça va vite, j'ai ma tête dans un micro-ondes. Sans ce truc, je serais rien. Mais personne perd aux yeux de ma mère. Avec ou sans stream, je sais qu'elle m'aime pour vrai.